Allez, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Partie 2. Tac, le fort démoniaque. On va les faire dans l'ordre. Let's go! Let's go! Là, il faudrait que je recheck, mais je crois pas qu'il y ait des trucs incroyables en, je vous dis, en avril et en mai. Bon, en juin, Diablo 4, FF16, pff, voilà. Ça va être pas mal aussi. En juillet, donc là, pour l'instant, on a Exoprimal qui s'est annoncé. Ça, j'ai vraiment hâte aussi. Enfin, on va faire la bêta, d'ailleurs, entre deux bêta de Diablo 4, on pourra faire un peu la bêta d'Exoprimal. Même si, après, ce qu'on passera le week-end sur le bêta de Diablo 4, hein, ça va vraiment dépendre de... Ça va vraiment dépendre du contenu, parce que je jouerai... En fait, c'est-à-dire que je veux le faire naturellement, mais en poussant un peu. C'est-à-dire qu'en autant que le contenu, je bouclerai, mais je vais pas non plus... vous voyez, s'il y a genre, en 10 heures, j'ai tout fait, je vais pas m'amuser à le faire en boucle, même juste pour streamer Diablo 4, quoi. Juste, c'est quand même que ça apporte quelque chose. On fera par contre le barbare et le sorcier, ça c'est sûr. Non mais Sun Jian, bar Watt. Parce que les deux classes en fait m'intriguent. Et je pense qu'on fera aussi l'open beta. Je vais vraiment tester le nécro et le druide. Le druide m'intéresse pas mal en vrai. Nécro, je suis curieux, j'ai jamais testé donc je me dis, ça va pas mourir yo. Avant ça, Walsen. Salut, dit. Salut. Ah, couronne de seigneur de belle barbe. On peut le looter. Là, je l'ai eu en une étoile, donc je suis tristesse. Mais donc, je peux le looter. Peut-être en NG+. Tiens, très long. On a donc la réponse. Les stuff des PNJ, on peut donc les rechoper. Maintenant, faut que je chatte pour le choper en 5 étoiles, quoi. Parce que là, je l'ai eu en une étoile. C'est pas ouf. Parce que j'espère vraiment que le barbare dans Diablo 3 c'était sympa, mais je suis pas non plus plus fan que ça quoi. C'était cool. C'est vrai que moi j'aime vraiment bien le croiser. Ou le sorcier. Et le sorcier. Attendez, j'ai pris une grosse patate là. Je sais pas d'où elle vient. C'est le mage, je l'avais pas vu. Donc à voir comment jouera le barbare. Parce que le barbare par contre dans... Après j'étais mage mais... Le barbare dans Diablo 2 là me plaisait bien. Donc s'il ressemble plus à celui de Diablo 2, il y a moins que ça me plaise. Ah oui je reviens là c'est vrai. Ah non pas du tout. Ah oui voilà. Sauf que là ce coup-ci je suis sur l'élite. Il est quel niveau? Niveau 11, je suis niveau 3. Ah, oh, ça va être trop bien. Ah, oh, j'ai raté. J'aurais dû le mettre mi-life. Je suis un gros gogol. Je suis un débile. J'aurais dû le mettre genre mi-life. En plus, j'aurais pris un niveau de morale. Je suis un gogol complet. Attends, deux secondes. Petit message envoyé. Hop, ok. D'ailleurs, il y aura un tout petit changement vis-à-vis de comment je gère le live, enfin au niveau des balades. C'était qu'en gros, il y aura une plus grosse pause midi. Easy, tu vas pas le faire plaisir à me vanner. En gros, l'idée, c'est que là, je vais sortir donc ma brique aussi le midi. Donc Nat me préviendra généralement à peu près 15 minutes avant que la bouche soit prête. Je sortirai le chien, donc ouais. Mais par contre, il y aura, ouais, donc cette grosse pause, quoi, ça fera bien 35 minutes. Mais bon. Encore une fois, hein, sur 10 heures de live, prendre 35 minutes de pause, plus la balade de la bibounette. Donc globalement, ouais, on peut compter 45-50 minutes de pause sur les 10 heures de live. Bientôt un employé normal. Pardon? Ah, Siri et toi, c'est beau ça. El famoso stream replay, c'est ça. Ah bah c'est connu, hein, un vrai streamer ne va pas faire de pause. Ah mais t'as tout reçu, hein. Alors, c'est stylé. Non, deux secondes, je tue le monsieur ici. Bonjour, monsieur. Ok. Alors, le menu du jour. Risotto crémeux, fenouil à la saucisse. Mascarpone, je suis moins fan, pourquoi pas. Rigatoni al pesto verde, champignons. Ouais.
Poulet thaï au curry vert, avec du, oh, avec du poireau et de la coriandre. C'est un peu de la merde ce que t'as pris cette semaine. C'est pas de la merde, moi j'aime tout. Non mais, c'est, en fait, tu devrais pas dire les avec, parce qu'au final, c'est pas ce qui sent le plus. Allez, va pour le risotto crémeux, fenouil saucisse avec mascarpone et tom râpé. Hein. Voilà, vendu. On va tester mais ça. Fois, c'est vrai. Ah le... Bah, oui, mais c'est quand j'ai... c'est moi qui ai choisi. Je valide clairement HelloFresh, hein, le chat d'ailleurs. Vraiment, là aujourd'hui, HelloFresh, elle nous simplifie de ouf la bouffe en fait, parce qu'on a plus à se prendre la tête pour les recettes et on mange des trucs vraiment bons et variés quoi. Très stylé. Hein. Et il y a plus d'OP, hein, je dis ça vraiment sincèrement. Moi j'ai jamais fait l'OP, c'est un qui l'a fait, mais. C'est vrai que le. Y a pas d'OP du tout. C'est vraiment trop bien quoi, HelloFresh, je trouve. Leur principe de livraison est bien foutu. Les plats sont bons. Il y a un peu de cuisine, mais pas trop non plus. Merde, j'ai pas pris le bon chemin là. Attendez. Pour ma part, c'est validé total quoi. Je voulais. Voilà. Alors. Le pigeon. Le nuggets là. Dès qu'il se retourne, je saute. Combien je lui fais? Ah oui! Presque 1000 life. Non! Et je pars! Oh, patate qui met, c'est délirant. Putain, je l'ai esquivé! Non! Je l'ai un peu bourré à la fin. Je l'ai un peu beaucoup bourré, mais bon. Un peu costaud en même temps, le monsieur. Hein. Là, j'ai senti la différence de niveau de morale. Hein. C'était tendu en New Game Plus. Là. Parce que la première fois, moi, j'étais pas passé par là. J'étais passé par. J'avais fait tout le camp d'abord, j'avais fait lui en fait enfin. Bah, ça faisait pas pareil. Hein. Je vous le dis. Ah, bah, j'ai deux bibous, hein, ça, il dit. Faut bien les sortir. Hein. Puis ceci, ça me fait pas plus mal. Un peu de pause avec les longs lives. Mais là, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt que d'être là vraiment tard le soir, maintenant je suis vraiment là donc toute la journée en fait. Et en début de soirée, ça fait des plus longs lives qu'avant. Mais ils sont plus aussi bizarre que ça puisse paraître. Je stream beaucoup plus qu'avant, mais j'ai plus de vie qu'avant. Parce que globalement, quand tu streams genre de 14h à 23h, t'as pas de vie en fait. Dans le sens où. Bah, je dors en fait avant. Là, je sors. Il y a par exemple, ça va être John Wick, enfin, je bats des films, séries, on sort. Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Hein. Le cut vers sur le coup des 20h. Hein. Même en cutant à 21h, en fait, je peux continuer de faire des trucs le soir. Quoi. Ouais, beaucoup plus plaisant. Je suis bien content. Hop.
Oh putain. Il a l'écro lui hein. Ah je suis nul. J'ai vraiment beaucoup de dégâts avec les éclats aide. Toi, je vais te monter dessus, tu vas pas comprendre. Ok, non, d'accord, c'est toi qui m'as baisé. Non, mais bien joué, je. Je respecte le move, hein, tu m'as bien. Oh, le mage. Y'a un mage quelque part. Mais je sais pas où. Putain de salaud. Te choper. Bon, on l'atteint déjà, salaud de mage. Ok, comme ça. Putain, mais... Tiens! Saloperie, va! Bon. Maintenant, j'ai Jean-Jacques gros con à faire. Non mais depuis que j'ai compris qu'en fait plus j'étais chargé en bleu, plus je faisais de dégâts sur le triangle, ça me change tout mon jeu, hein, c'est encore plus putain. Si seulement j'étais pas un abruti, hein, la vie serait quand même vachement plus simple. Que j'avais pas compris moi ça, là, je l'ai découvert, c'était quand déjà? C'est pas genre sur le boss final? Je sais plus. C'est triste hein, je suis d'accord, hein, et pourtant... C'est un peu mon super pouvoir. Trider a fait une joke, une private joke dessus, mais qui est hélas très vrai. Sur Wildstar, il a fait le choix niveau max en raid pour découvrir que mon personnage avait un deuxième taunt. Un deuxième taunt, mon tank. J'avais fait tous les donjons et tout, en timé, etc. avec un seul taunt. Parce que je suis un connard. Ah ouais, pas toujours le pingouin le plus affûté de la banquise. Hein. Compliqué. Hein. En plein raid. Oh! Un deuxième taunt. Après, j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Principal, c'est de voir qu'on l'a. Bon. Il est pas mal. Voilà. Par où on monte? Attendez. Mais... Ah, c'est là en fait, ça fait partie d'un tout. Ok. Tac, tac, tac. Ah, Wildstar. Condamné à mourir et pourtant si bon sur certains aspects. Sérieusement? Mais. Ah, je peux directement aller ici, tiens, sans ouvrir la porte. Putain, stylé, je savais pas. Je me rappelle même plus du boss. Mais c'est pas genre un scénario principal, ça. Je pensais faire du secondaire depuis tout à l'heure, mais en fait, pas du tout. Putain, on découvre des choses. Je découvre des nouveaux passages alors que j'ai fini le jeu. Ah ben, c'est mort en aggro.
draconique, ok. Tac, tac, tac. Montée d'un niveau, oui, on continue de monter ça. Durabilité de l'esprit, mais ça, je m'en bats les couilles, ça. Moi, je le tue, lui, hein, d'ailleurs. Pour la gloire. Un coffre. Ouais. Ok, let's go. Let's go to the moon today, today. Sympa l'enchaînement. Sympa l'enchaînement du boss Sirius plus suite 4 étoiles. Oh, c'est l'épée de 7. Dommage. Plus suite direct, c'est l'épée de Xeodan, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Qui joue à l'épée une main. Merci pour le follow. Salut, Xiao. Pense quoi du jeu? Eh? Bonjour, Lorenzo. Hashtag salut à toi aussi. Très étrange, mais pourquoi pas. Tu me refais ça dans une phrase normale, je te réponds avec plaisir. Xiao, pense quoi du jeu? Comment t'as... Ah, ça doit être du T9, mais comment... Salut, tu en penses quoi du jeu? Est-ce que c'est important? Mon avis, sachant que tu me connais pas. Je suis un peu chiant, mais j'ai jamais compris l'intérêt de demander de l'avis des gens. Moi, je demande pas l'avis des gens. Si tu lis le titre, tu pourras voir que je suis en New Game Plus. Pourquoi c'est important de demander l'avis des gens? Donc oui, tu pourras voir que je suis en New Game Plus dans le titre. Ça implique que... Ah, ouais, je sais pas si... Est-ce que tu sais ce que veut dire New Game Plus? Ok, je te laisse. Si c'est pour être pas aimable, je te... Bon, allez. Chut. Oust. Pour être pas aimable, toi aussi. Salut, Lou. Next, ah ouais, non, mais c'est bon, quoi. Français LV14, au secours, quoi. Non, j'en ai quelques-uns, là, easy. Bah après, je sais pas combien... On est combien, là, de viewers? Attends. Je sais même pas le compte. Ouais, voilà, y a pas trop... là, y a pas trop de monde, mais c'est vrai que, bon, bah, dès qu'on a un chou, y a plus de monde. Banus Fragilus. Banus Debilus. J'en ai quelques-uns, quand même. Mais bon, bah, après, rien de bien méchant, hein. Ah, Shao Hong a commencé une invasion. Ok. On va se faire un petit PNJ élite. Comme on aime. Alors, il est où? Il est là. Salut. Non, il y aura trop de monde, en fait. Je suis pas inquiet du tout. Je suis pas du tout inquiet pour le coup creep. On verra si je me trompe ou pas, mais...
Déjà, j'aurai mon filtre à Google qui sera là, ce qui est toujours pas mal. Et je pense que la moitié du monde connu va être sur la bêta. Déjà, s'ils ont donné une OP, et Fatal, si t'es là, c'est pas méchant ce que je vais dire. S'ils ont donné une OP à un petit streamer comme Fatal Poulpos sur sa chaîne avec un slash word, imagine le nombre d'OP sur les gros streamers. Imagine le nombre d'OP que tu as. Ils ont donné des OP pour la bêta. Hein. Non, pas. Enfin, moi, je suis sûr, moi, toujours blacklist, mais. Ce que je veux dire, c'est que si un mec comme Fatal ou autre, qui sont donc un moyen streamer, il a 100-150 viewers, voire un peu moins en réalité, c'est sur les certains cassages qu'il a ça. Clairement, ils ont dû faire énormément d'OP auprès des gros streamers. Il va y avoir, là, avec la bêta, plus de 500 000 viewers sur Diablo 4, voire plus. J'irais même peut-être 750 000. Ouais, même franchement 750 000. Donc moi, je passerai inaperçu. J'aurais mes viewers habituels, toi, donc... Non, je pense que je vais vraiment passer inaperçu sur le truc. Je pense que ça se trouve, il y aura même moins de monde hein, sur la chaîne pendant la bêta de Diablo 4 que là sur... Que là sur du Wolsen. Hein. Ou que sur du Wolong ou qu'il y en a... Ah putain! Ah si je dois me taper tout le niveau, je vais rager. Hein. Allez, crash! Casse-couille. Après, je venais de planter le drapeau. Ah, ça va me casser les couilles. Donc, ouais, je suis pas du tout inquiet, Grip. Pas du tout. Ça m'a même pas traversé l'esprit, tu vois, que les Google puissent poser problème. Alors, hop. Vraiment en mode, bon, bah, viens, tu pourras, quoi. Alors, je reviens où ? Ça me fait revenir où ? Putain, c'est con, je venais de poser le drapeau, quoi. C'est pas de chance, quand même. Après, j'aurai le drapeau d'avant. Au pire, c'est que logiquement, tant que t'as pas fait le boss de fin... Ah, ça l'a compté! Trop bien! Yes. Impeccable. C'est qui le boss ici déjà? Je sais même plus. Ah oui, c'est vrai! Quelques morts sur lui. J'ai fait trop tard au lieu de trop tôt. Vaut mieux trop tôt que trop tard. Parce que trop tôt, t'as tes chances. Trop tard, t'es baisé. Je suis un idiot. On y retourne. Lui, il m'avait fallu quelques wipes. Hein. Pas tant que ça, mais genre 3-4 wipes, je crois. Oh putain. Ok, Shang Chao. Ok. Très bien. D'accord. Je me fais souiller. Eh ben écoutez, ça va être fun. Vous avez un peu galéré sur lui, ceux qui sont NG+, ou je suis juste nul? Je pense que je suis juste nul, mais bon.
Ça va. Je suis juste nul, ça me rassure. Putain. Quel dommage de rater un crit. Allez! Wouh! Non! On lui rebouffe un level. Ouais. Ouais. Allez! Ah, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. Vous allez me dire, mais il est mort. Et non. Parce que j'ai eu un backseat payant. Et ça, c'est beau, ça. Enfin, c'est gagné. Peut-être pas, en fait, hein. Attendez. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre un crit, mais... Putain. C'est pas gagné en fait, hein. Voilà. Putain. Salopard. Bah. N'oublie pas de me dire un attaque environ 15 minutes avant. 15-20 minutes avant même, hein, pas de soucis. Je fais une jolie balade bibou comme ça. Bon. Acier de rang 8, turban jaune, on continue. Bon, pour l'instant, ça se passe quand même bien, le New Game Plus. Est-ce qu'il y a encore un autre niveau de difficulté derrière, je me demande. Je me demande. Parce que là, on a dragon penché, dragon ascendant, c'est quoi, dragon lumineux. On va aller voir.